Salut, c'est Alice. Salut, c'est Achane. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de la collector de Tales of Berseria qui est sorti, eh ben, le 27, donc aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo. Alors, est-ce que tu connais Tales? Que dalle. Que dalle, ok, bon bah ça commence bien. Je connais rien. Tu connais rien. Donc, c'est une très jolie boîte. Assez soignée. Rose, très rose. Ouais, parce que la couleur, ce sera rose, plutôt rose. Ouais. Rose. Avec l'héroïne Velvet. C'est un jeu de filles. Devant. Nous avons tous les personnages principaux sur le côté. Et encore l'héroïne ici. Alors, c'est qui l'héroïne? L'héroïne, c'est là. Donc elle est très jolie. Ouais, moi j'aime beaucoup la texture de la boîte. Enfin, ouais. C'est une boîte. C'est assez brillant, enfin l'image est brillante, enfin l'impression est brillante, voilà. Donc est-ce qu'on dit comme un t-shirt, le flocage, enfin la boîte est mate, ouais. Et le flocage du nom est brillant, c'est très joli. C'est la qualité. C'est parti. Bon. Donc le prix de la box est de 99,90€. Voilà, donnez-nous les sous. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Qu'est-ce que tu vas sortir en premier? Ta-ta-ta. Vas-y, ferme. J'aime bien quand c'est carré. J'aime bien quand c'est carré. C'est pas tout à fait un carré. Bon. C'est pas tout à fait... Bah, tiens, garde-le devant toi. Voilà. Et tiens là-bas. Alors, nous avons... la première boîte avec les deux petites figurines. On ouvrira tout à l'heure. J'ai non, tu l'as lancé. Fait quoi de cette putain de boîte là? Voilà. Tiens, je te laisse nous présenter celle-ci. Donc, nous avons une boîte en fer avec un petit personnage qui m'a l'air plutôt marrant. Ouais, je pense que ça doit être la mascotte. C'est, du... Ouais. Le jeu est à l'intérieur. Non, c'est pas le jeu. C'est... Un fake est à l'intérieur. C'est la... du coup, attends, déjà... c'est... Ouais, c'est le soundtrack, donc c'est la musique. Donc, on peut déjà voir sûrement la jaquette qui est identique au jeu, parce qu'ils ne se seront pas fait chier. Attends, mais... T'as vu comment la meuf est pour le truc, quoi. C'est clair. Voilà, avec toujours le petit personnage très mignon. Voilà, très joli. Alors, nous avons un starter guide, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, il y a des plans. Je suppose que c'est un plan. Ouais, un plan. Donc il y a les. Alors tout est en anglais. Hein, parce qu'il y a... c'est pas traduit, donc ce n'est je pas pour toi. Je peux pas jouer. Non, mais le jeu est en français. Ah non, je peux pas jouer, c'est en anglais. Mais les bonus là sont totalement. Est-ce que c'est les solus? C'est pas les solus, c'est un starter. Oh mon dieu! On a trouvé. Il s'appelle Bien Fou. Il s'appelle Fou? Bien fou. Ah oui, bien fou. C'est bien foutu. Bien foutu. Bah, moi, j'aurais pas dit la même chose. Soit dit en passant, je trouve que le personnage est absolument cute au possible. T'as vu, je l'ai presque bien c'est dit. Joli. Il est kawaii. C'est un artbook. Donc, de toute façon, il n'y a pas grand chose à lire. Les puisque images qui claquent. Ce sont les images qui claquent. Tiens, je te laisse regarder. Les images qui claquent. Putain, je tombe toujours sur la main. J'ai dit qu'il fallait faire... Ah, donc, comme on a dit tout à l'heure, bien fou. Bien fou, tu... Mais si tu pouvais arrêter de montrer lui... C'est un petit corps de chat, moi, je trouve ça absolument... Ouais, ça, c'est joli. Enfin, c'est une image, quoi. À la fin, il y en a des jolis. À la fin. On dirait que tu l'as déjà fait. Oh, oui. Bah oui, il vient de le faire. Là, on est dans le palais de la Reine des Neiges. L'association de merde. On a aussi des petits zooms sur le navire, c'est le navire, ouais, il se déplace en bateau, donc je ne sais pas. C'est une relique, je dirais. On n'a pas fait le jeu, donc surprise, il faut jouer. Ouais, il y a des petites images mignonnes, tu sais, j'avais montré à l'envers, moi. Des petites images mignonnes, je sais pas trop ce que vous voyez, mais bon, vous avez qu'à l'acheter. Voilà, hein, ça peut. Ouais. Bien sûr, nous avons le jeu. La base. Forcément, parce que si t'achètes et qu'il n'y a pas le jeu, aucun intérêt. Hein. Finir, nous avons une série. Oh, ils sont plutôt jolis. J'adore, c'est grave beau. Et elles sont... Ouais. Attends. Tiens. Oh, c'est grave beau. C'est super joli. J'ai piqué celle-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais j'ai vraiment craqué sur ce perso-là. Hein. Voilà. C'est vraiment très très beau. C'est... Ouais. Il y
T'as tous les... Donc, il y a les personnages... Je sais pas si vous voyez le brillant, j'espère, pour eux. Attends, je vais en sortir une. Très belle. De Velvet. Alors, si on y arrive, parce que... Ouais. Même elles sont lourdes. Elles sont vraiment lourdes. C'est du métal. C'est vraiment pas de l'or. Hein. Hein. Et elles sont vraiment super jolies. Il y a encore des choses. Mais oui, il y a des petites figurines. Donc le set de deux figurines. Donc Chibikara. Ah, pardon. Voilà. Donc ça, c'est comme du ça. Papier bulle. On va pouvoir s'amuser. Ouais. Oh. Très bien sexy ce soir. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc ce sont des figurines à monter. On dirait un peu quand tu l'ouvres comme ça, ça fait un peu déballage de préservatif. Tu sais, comme dans les films. Donc atelier montage de figurines. C'était l'unboxing de la collector de Tales of Berseria que vous pouvez trouver ou que vous ne pouvez peut-être plus trouver puisque les collectors sont partis assez vite au prix de 99,90€. La meuf, elle exprime la douleur qu'elle a eue aujourd'hui en allant payer son collector. Son collector, vous comprenez ça. Vous sentez dans sa voix la souffrance. C'est le porte-monnaie, il a souffert. Si vous arrivez à le trouver, comprenez sa souffrance. Si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez, commentez et mettez un pouce bleu de préférence. Soyez gentils, mettez un pouce bleu. Voilà, à bientôt.